Il va bientôt faire nuit et elle n'est toujours pas revenue. Je l'ai attendue toute la journée, mais Lexi, j'espère vraiment que tu vas bien. Et puis ces gardiens là, ils veulent même pas me dire qu'est-ce qui s'est passé avec toi et si tu vas bien. Au moins ça, j'arriverai pas à fermer l'œil. Hein? Non. Je suis pas du tout prête à aller me coucher. Gardien! Gardien! Rallumez les lumières! Eh oh, du calme ici! Oh, c'est toi. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de savoir si Lexi va bien. Hé, hey, Dana, je suis là, ne t'inquiète pas. Justement, j'étais en train de l'escorter. Allez, Lexi, entre. Il est l'heure de dormir. Par contre, Jana, c'est la dernière fois que tu fais ça. Tu n'as pas à t'interposer dans des conflits qui ne te concernent pas. Mais je... Espèce d'insolente, en plus tu continues. Si Lexi, elle est dans cet état, c'est par ta faute. Et uniquement ta faute. Je ne veux plus rien entendre. L'extinction des feux a été faite. Maintenant, silence. Lexi, je voulais vraiment te dire que je suis sincèrement désolée. Et je ne savais pas que qu'elle allait se venger sur toi. Dana, je sais que tu n'as pas un mauvais fond et que tu n'as pas encore les codes. Mais... Maintenant que tu les as, s'il te plaît, ne le refais plus. Est-ce que tu es blessée? Ça fait mal? Tu as une blessure à l'œil? Non, c'est pas grave. Vraiment rien de grave. J'ai déjà vécu pire. C'est vraiment superficiel. Allez, allons dormir, je suis un peu fatiguée. C'est toi la nouvelle? Non, c'est pas moi. Mais pourquoi tu mens? Je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas avoir de problème. Ah, t'as peur? Ah, oui, t'as peur du gang, c'est ça? J'en fais pas partie. Je te jure, c'est pas moi, je fais pas partie de ce gang. Ok, super, je m'en fiche un peu en fait. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, mais t'es pas commode, toi, t'es pas cool. Mais je te comprends, tu sais bien. Attends, je rêve ou t'as des chips? Ça y est, maintenant je t'intéresse. Mais on peut pas se procurer des chips. Je l'ai vu sur la liste des choses qu'on peut acheter. Et j'ai pas vu de chips. Ouais, et est-ce que t'en veux? Elles sont trop bonnes, c'est à l'oignon. Vas-y, je veux bien, vas-y donne. Et tu me donnes quoi en échange? Attends, mais c'est toi qui étais en train de me proposer à l'instant si j'en voulais. Je t'ai dit oui, maintenant tu me les donnes. Non, t'en auras pas si t'as rien à me donner en échange. Parce que moi je donne pas les choses gratuitement, je fais que des échanges. Mais là, j'ai rien à t'échanger. Tu veux que je t'échange quoi? J'ai rien. Ouais, je sais, parce que t'es la nouvelle. Et la nouvelle, elle a rien échangé. Ah, comme c'est dommage. Mais si à un moment donné, t'as besoin de quelque chose et t'as quelque chose d'intéressant à m'échanger en contrepartie, eh bien, tu peux me trouver dans la cellule numéro 9. D'accord. Et t'as vu, y'a Jacob. Oh, c'est mon gardien préféré, Jacob. Jacob, Jacob, j'arrive, Jacob. Attends. J'ai oublié de te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont en train de nous écouter. Fais attention. Mais de qui tu parles? Y'a personne autour de nous. Tu sais pas, les extraterrestres. Les extraterrestres. Oh non, ils m'ont entendu. Wow, elle est vraiment trop bizarre pour moi, mais c'est intéressant de savoir que c'est elle qui fait du trafic dans cette prison. Mais comment que je fais, moi, pour avoir des choses à lui échanger? J'ai rien. Ah, vraiment, ce logiciel, qu'est-ce qu'il est lent. Et Kenny, c'est bon. Je l'ai ramené, la nouvelle. Mais ça va faire combien de temps que vous allez m'appeler la nouvelle à un moment donné? Arrêtez. Oh... Ok, je vais t'appeler Jana. En plus, je t'aime bien. Donc, je vais faire ça comme ça. Jacob, un peu trop de familiarité, là, avec la détenue. La détenue, elle est juste en face de toi et elle t'entend. Maintenant que tu es là, on va t'expliquer avec Jacob. En gros, ici, tu peux gagner un peu d'argent et avoir accès à la supérette de la prison. Et pour cela, bien évidemment, puisque ce n'est pas gratuit, il va falloir travailler. Chose que tu ne sais certainement pas faire. Je parie qu'on a presque le même âge. Donc tu peux parler pour toi.
Ouh là là. Elle a du répondant, la petite. Ah, soit, passons. Je te laisse lui expliquer. J'ai quelques paperasses à faire. Comme Jacob l'a dit, tu peux travailler pour gagner de l'argent ici, et en fait, tu as la possibilité entre les métiers qu'il reste, c'est-à-dire soit en cuisine, soit en la bibliothèque, soit en mécanique. Je me verrais bien à la bibliothèque, je pense que ça me correspondrait bien. Et allez, encore une qui ne sait rien faire. Vous êtes qu'à bonne à aller à la bibliothèque et en cuisine. Quoi? Non mais attends, t'insinues quoi là? Moi? Absolument rien, je vois pas de quoi tu parles. C'est toi qui as décidé, non, d'aller à la bibliothèque. Non, non, t'étais en train de dire que je sais pas réparer des voitures, c'est ça? Mais je comprends, aller réparer des voitures, c'est un truc de mec, ça. Ok, c'est bon, t'as gagné. Je veux bien faire de la mécanique, de toute manière, je vais te prouver que je sais mieux travailler que toi. Jacob, t'as entendu, écrit sur la liste que la nouvelle, elle va faire de la mécanique. Ok, c'est noté. Maintenant, tu dégages. Tu peux aller dans la cour si tu veux. Et ne traîne pas dans les couloirs, on a les caméras ici. A plus, le bleu. Jamais de la vie, tu n'aurais dû l'écouter. À la bibliothèque, le travail, franchement, c'est un travail qui est vraiment cool. C'est ce que moi je fais. En plus, on aurait été ensemble. Ranger les livres, ce genre de choses. C'est vraiment pas compliqué. Non mais... Tu t'aurais dû l'entendre, ce crétin. J'étais en train de lui dire que je voulais être bibliothécaire. Il était là, en mode, tu n'en es pas capable. T'es vraiment trop nul, tu n'es qu'une pamelette. C'est peut-être ce qu'il voulait, que tu choisisses la mécanique. Et je sais pas, pour une raison ou une autre, Il t'a un petit peu, je sais pas, poussé à prendre cette décision. En tout cas, je vais te laisser. J'ai quelques petites choses à régler. Je reviens plus tard. Ok. À plus tard. Mais il aurait quel intérêt à faire en sorte que je choisisse la mécanique? Franchement, à part que ce soit un métier plus compliqué, peut-être pour m'embêter. Ouais, c'est sûrement pour ça, pour m'embêter. Et moi, je suis tombée droit dans le panneau. C'est moi ou Sabrina, elle a suivi Lexi. Non, cette fois-ci, je vais pas laisser faire. Oh, c'est toi. Désolée, mais faut que je... Tu savais que 50% de l'ADN d'un humain est comparable à celle d'une banane? Mais qu'est-ce que tu racontes? La Russie, elle est plus grande que Pluton. Imagine avoir un pays encore plus grand qu'une planète. Je sais pas comment tu t'appelles, mais laisse-moi passer. Il faut vraiment que je passe. Imagine, mais juste imagine, hein. Tu es une tortue. Imagine, tu fais partie de l'espèce de tortue qui doit respirer par les fesses. Quoi? Ça existe vraiment? Oui, la tortue de Fitzroy est une tortue d'eau douce australienne qui respire par les poumons et par l'anus. Elle nage avec le derrière en l'air. J'ai pas envie de te donner plus de détails. Attends, mais pourquoi je m'intéresse à ça? Faut que j'aille, laisse-moi passer. Attends, et tu savais qu'il y a deux fois plus d'accidents avec des distributeurs de boissons qu'avec des requins? Ah ben, poissons, boissons... Oh! Oh non, où elles sont passées? C'est pas possible. À cause de cette trafiquante, j'ai perdu leur trace. Je sais pas où elles sont passées. J'espère vraiment que Lexi va bien et que... Ben, de toute manière, je n'ai rien fait pour provoquer encore une fois cette fille. Et puis même, de toute manière, si j'interviens, ça sera encore pire, non? Oh non, pas toi, qu'est-ce que tu me veux? Jana, pourquoi tu ne t'es pas présentée au garage? Mais de quoi tu me parles? À ton travail de mécano. Attends voir, répète. Je t'ai dit que tu ne t'es pas présenté à ton travail de mécano au garage de la prison. Non, non, la phrase juste avant. Tu crois vraiment j'ai le temps de jouer à ton petit jeu? Je relève juste que c'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Tu vois, c'était pas si difficile. Oh bordel, tu me fais vraiment perdre mon temps pour ça. Tu sais, il y a une affiche qui dit à quel moment il faut que tu sois présente au garage pour ton travail. C'est pas comme on veut ici, c'est pas un moulin, c'est pas une cafétéria non plus. Tu es en prison, ne l'oublie pas. Et maintenant, tu me suis, tu vas passer un sale moment. Ta
t'as chaud ou quoi? Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, peut-être parce que tes joues elles sont rouges. Où est-ce que tu vas comme ça, les mains derrière le dos? Eh bien, tu sais quoi, tant mieux que t'en penses pas pour elle, parce que je t'avoue que moi j'ai un petit coup de cœur, je l'aime bien cette fille. Tu sais que les relations gardiens-détenus sont totalement interdites. Maintenant, il faut qu'on aille annoncer la nouvelle aux détenus. Merci d'applaudir pour l'arrivée de Jace. C'est mon ex.